Fonogo, nous t'as pris le malade. Il a une diarrhée carabinée qui le cloue au lit depuis 3 jours. Il a pas mal pris de médicaments. Sans suite, la diarrhée ne veut pas finir. Je te dis, si tu vois ta fille, tu auras pitié de lui. Il est exténué, vidé. C'est à peine s'il se tient debout. Il n'a même plus de force d'aller aux toilettes. Il est obligé d'avoir un pot à côté de lui, en permanence. Un gaillard comme ta fille, s'il n'arrive plus à marcher, sache que c'est très grave. Ah oui. Je lui ai dit que cette diarrhée doit finir ce soir avec tous les médicaments que je lui ai déjà donnés. En tout cas, sinon, je préfère qu'on le transporte à l'hôpital avant que le pire n'arrive. Non, tu as raison. Tu as raison. Qu'est-ce qui peut bien le déranger au ventre? Qu'est-ce qu'il a mangé? Peut-être quelque chose d'avaré? Ou même, tu t'imagines, c'est par là que nous avons commencé. Nous avons passé en revue tout ce qu'il a mangé les 2 jours qui ont précédé la maladie. Or, il s'avère qu'il n'a mangé nulle part que chez lui. Mais ceci nous a permis de circonscrire le mal. Il n'a mangé que la nourriture de sa femme. La sauce d'arachide avec du poisson fumé, non pimenté, et du plantain pilé, non mûr. C'est pas possible. Elle devait être au moins malade. Elle aussi, hein? Ou ne serait-ce qu'avoir quelques douleurs? Oh, il n'en est question. Elle n'a mal nulle part. Elle ne sent rien. Et elle nous dit qu'elle-même a mangé de cette nourriture sans problème. Non, dis-moi. Pourquoi cette nourriture ne refuse que ta fille? C'est la question que je me suis posée. Et c'est la question que tout le monde se pose. C'est quand même très curieux. Dis-moi, Barthé. Qu'est-ce qu'elle aurait mis En fait, je veux savoir si elle aurait mis quelque chose dans la soupe. Je ne sais pas. Si belle, c'est pour aller où? Et tu m'as dit hier soir que tu devais prendre part à la réunion avec le pasteur en ville ce matin. Et alors? Et alors, je me suis apprêtée pour t'accompagner. C'est vrai que je t'ai dit que j'irai en ville. Je ne t'ai pas dit que nous irons en ville. Mais je croyais que je devais aller avec toi. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Mais pourquoi tu m'as donc parlé de ça?
je devais t'informer. C'est toi qui te plains que je ne te parle plus. Bon. C'est pour cela que je t'ai informé que ce matin, je partais en ville. Bon, tu vois, cela ne signifiait pas du tout que toi aussi tu devais partir. Excuse-moi alors, mais moi je n'ai pas compris ça comme ça. Sabina. Mais d'habitude, quand tu m'informes, c'est pour que je m'apprête à t'accompagner. Tu m'accompagnes en tant que qui? Tu veux déjà toi aussi devenir catéchiste? Mais est-ce que j'étais catéchiste quand je t'accompagnais dans le passé? Heureusement que toi-même tu parles du passé.